Qu'est-ce que la compensation adaptative de la charge ? Les utilisateurs de fauteuils roulants électriques ont souvent de grandes difficultés pour tourner à faible vitesse sur les surfaces molles, comme un tapis. Les roues avant se bloquent et provoquent une forte secousse lorsqu'elles se débloquent. Une autre problématique réside dans le contrôle du fauteuil à faible vitesse. Par exemple, passer des portes ou s'approcher d'une table demande un certain nombre d'actions correctives pour avoir la position souhaitée. Enfin, redémarrer dans une côte entraîne généralement un léger recul du fauteuil avant de repartir dans le sens de la montée. Cela peut rendre l'utilisateur anxieux et diminuer la confiance qu'il a dans son fauteuil. Des recherches indiquent clairement qu'il existe une relation entre la vitesse et la résistance. Par exemple, quand un fauteuil passe sur un tapis, la vitesse est lente, mais le niveau de résistance est fort, car c'est une surface accrocheuse. Lorsqu'un fauteuil roule sur un chemin plat, la vitesse est plus importante, mais la résistance est faible. Le fauteuil doit pouvoir s'adapter à chaque situation pour offrir à l'utilisateur une expérience de conduite confortable et agréable. C'est exactement le but de la compensation adaptative de la charge. Incluse dans la nouvelle électronique Lynx, cette technologie innovante assure à l'utilisateur un niveau de résistance des moteurs toujours adapté à la situation pour lui permettre un contrôle plus précis. Pour passer des portes ou s'approcher des tables, le contrôle à faible vitesse rend l'opération simple et directe. Il permet également de conduire en toute confiance sur n'importe quelle surface, qu'elle soit bombée ou en dévers, avec un meilleur maintien dans les pentes. Elle réduit les effets de blocage des roues directionnelles sur les surfaces molles, permettant de garder une direction et une vitesse constante lors des manœuvres. La compensation de la charge est un paramètre généralement configuré lors de la fabrication du fauteuil et est ensuite rarement changé car c'est une opération difficile et elle nécessite l'intervention d'un technicien expérimenté. Avec l'âge du fauteuil, sa valeur idéale change du fait, par exemple, de l'usure normale des moteurs, ce qui résulte pour l'utilisateur en une modification progressive du comportement du fauteuil dans le temps. Être capable d'offrir une expérience de conduite constante et stable pour les utilisateurs tout au long de la vie du fauteuil était primordial lors de la conception du Lynx. C'est pourquoi la compensation adaptative de la charge a également été conçue. Cette technologie donne au fauteuil l'intelligence de mettre à jour la valeur de la compensation de la charge en mesurant régulièrement les résistances réelles de chaque moteur lors de l'utilisation du fauteuil. Si un moteur doit être remplacé, le fauteuil prendra en compte la résistance de ce nouveau moteur et même si la différence de résistance est importante entre les deux moteurs, le fauteuil fonctionnera comme si ces deux moteurs étaient du même âge. Cela est possible grâce à la fonction d'étalonnage rapide de la compensation adaptative de la charge disponible dans le logiciel de programmation. Tous les témoignages d'utilisateurs montrent que la performance du fauteuil dans le temps reste la même qu'au premier jour. La technologie de compensation adaptative de la charge intégrée dans l'électronique Lynx a été développée en gardant à l'esprit les attentes des utilisateurs, des prestataires et des prescripteurs. Cette nouvelle électronique est constamment en évolution et offre une expérience de conduite révolutionnaire.